Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les gars pour le 20e épisode de la série Pack 2 Division 1. Donc, pour commencer, trois choses à vous dire. J'ai pris un nouveau bonus, donc vous verrez dans la description, je vous ai mis un lien PTD, donc Pack 2 D1 Textup, voilà, c'est plus joli en fait, c'est présenté de meilleure façon. J'ai juste pris un seul bonus, c'est perdre aucun match dans une division qui m'offre 3 pas. Donc admettons, là vu qu'on est très très bien parti en division 5, si j'arrive à faire que des matchs nuls et que des victoires sans aucune défaite en la remportant, etc., j'aurai le droit à 3 pas, voilà. Ensuite, 2200 likes les gars, donc 3 x 7, 21, donc on a le droit à 7 packs. Et j'avais oublié aussi 2 autres packs dans le pack récent, pourquoi? Parce que il y a un bonus qui est, je vais vous le lire, 2 victoires dans un épisode, ça nous offre un pack. Vu qu'on a fait 4 matchs à l'épisode précédent, 4 victoires, ça me fait 2 packs. Voilà, donc aujourd'hui on va partir pour l'ouverture de 7 packs et il y a quelques packs spéciaux je crois. Il y a des packs... toute la journée, donc c'est là vraiment la galère pour se connecter au serveur IS. Ça fait environ 15-20 minutes que j'attends, voire même plus. Déjà pour me connecter au Xbox Live, puisque il s'est fait hacker avec le PSN par je sais plus trop quoi, on s'en fout de toute façon. Donc ça fait chier. Ensuite, quand vous êtes connecté au Xbox Live, pour se connecter à FUT, c'est la galère aussi. Donc j'aimerais franchement au moins une demi-heure à essayer de me connecter de partout. C'est la galère. Donc on va partir pour l'ouverture. J'ai 7 packs à ouvrir. J'ai 2 packs qu'on veut ouvrir, les packs qu'on ne peut pas vendre, les packs invendables. Donc c'est parti les gars, en espérant choper du lourd dans les packs invendables. Let's go! Et on chope Begovic, Jardel. Bon, pas mal de joueurs Coad. Bon, Amko Kamouma, ouais. Du côté des doublons, on a eu quoi? Ashley Young. Donc lui, Ashley Young, vu qu'il est invendable, on va le placer dans l'équipe active, admettons. Enfin, on va l'envoyer au club. Et l'autre, on ira le vendre, tout simplement. Vous faites ça quand vous avez des joueurs que vous pouvez pas vendre. On conserve. On ouvre le deuxième pack, donc il y aura 7 et 2 et 2, 9 packs à ouvrir. On ouvrira aussi quelques packs spéciaux, les gars. C'est parti. Ouh, Bastian Schweinsteiger, les gars. Yes. Il est invendable, mais on a un gros gros joueur pour notre Bundesliga. C'est Bastian Schweinsteiger. Yes. Avec du Thierry. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça, c'est good. Ça, c'est très 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 good. On va conserver juste ça. Et du côté des doublons, Jonathan. Donc lui, bon, on s'en fout, on va l'envoyer au club. L'autre, on pourra faire entre rapide vu qu'il ne vend pas. Voilà! Donc ça, on va. On va ouvrir nos 7 packs, enfin nos 9 packs en total, c'est 7 plus 2. Il y a quoi comme pack en promo? Il y a des packs à 25 000 crédits classiques. Alors, que je réfléchisse, 3 packs. Attends, je vais vite fait prendre la calculette, parce que quand vous êtes en train de faire une vidéo et calculer en même temps et en réfléchissant en même temps, c'est impossible. Voilà. Donc 3 packs, on va dire. 3 packs, ça correspond à un pack à 25 000 crédits. Donc on va ouvrir 3 packs à 25 000 crédits. Ça fera pour les 9 packs qu'on doit ouvrir à 7500. Et on terminera avec nos crédits. Let's go, premier pack. Borja Valero, Andanovic et Jordi Alba. Ça c'est bien, en plus ça se vend. Ça c'est good. Ça c'est très 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 good. Vous verrez que aussi je vous montrerai un peu ce que j'ai vendu dans la liste de transfert. Donc il y aura peut-être des moments qui vont être séquencés parce que si les serveurs lag, etc., ou s'il y a une déconnexion en plein match, là ce n'est pas un rush kit, ce n'est pas de ma faute ou de l'adversaire, ça sera vraiment de la faute du Xbox Live en général. On ouvre bien avec nos points FIFA, cette fois-ci je vais bien ouvrir avec mes points FIFA. Let's go, deuxième, boum, ouh, Gundogan. Ça c'est bien ça, ouais, bon joueur pour la Bundesliga ça. On a de très 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 bons joueurs pour la Bundesliga. On a Klose, on m'intéresse pas, on a du Nathalie, ça suffit largement. Voilà, et le dernier pack. Donc on aura ouvert nos 9 packs, hein, l'équivalent. Et après, nous, avec les crédits qui nous restera, on ouvrira 2 autres packs à 25 000 crédits. Ouh, Lopez Boost. Yes. Oh, je suis un putain de chatard les gars. Mais quand je vous dis un chatard, c'est que je suis vraiment un putain de chat. Diego Lopez, on a qui au cajon? On avait Andanovic, je crois. Je sais pas qui mettre. Ah, il se vend 20 000 crédits. Bon, on va certainement le tester. Mais ça fait plaisir. Un petit boost. Ross Barkley et Peter Crouch, ça nous intéresse pas du tout. Et on a un boost. Pas mal, pas mal. On a ouvert quelques packs. On a quand même chopé Schweinsteiger. Bon, certes, en invendable, mais ça reste Schweinsteiger. Et voilà. Et un boost. Donc là, on a ouvert nos 9 packs environ. C'est un calcul. Et on va ouvrir les deux autres packs à 25 000 crédits. Mais cette fois-ci, avec nos crédits. On va bien on va pas se tromper. Voilà. Non, non. Oh putain, j'ai ouvert un pack en carton. Le fail. Oh putain. Wright Phillips. Ah, quoique.
Peut-être un fail, mais au moins, lui, il pourra nous servir. Hé, peut-être un fail, mais lui, il pourra peut-être nous servir. Ah, je suis con. Bon, moi, hein, c'est un peu 20 000 crédits perdus. Bon, c'est pas très grave. Une boulette, ça m'arrive souvent, de toute façon. Donc là, on va bien ouvrir avec nos crédits. Voilà. Allez, let's go, les gars, il en reste deux. Mathieu, c'est bien, ça. Avec Diabaté, pas intéressant. Al-Shamrani, pas du tout intéressant. Tim Krul, peut-être qu'il se voit un petit peu. Et Arnautovic, pas intéressant. Par contre, Matuidi pour la Ligue 1, c'est bien. Mais on joue avec un seul MDC. Et j'avais Idrissa Gueye-Boulou. Donc, pour le moment, on n'est pas encore avec la Ligue 1 parce qu'elle n'est pas assez performante. Je pense qu'il me manque un Cavani devant. Un joueur assez un plus intéressant du côté de la carte en général. Allez, on termine avec nos crédits. Voilà, on oublie avec nos crédits. Dernier pack à 25 000 crédits. Müller. Ouais, bah, donnez-moi le vrai Müller. Ferdinand en doublon, ok. Bon, dans l'ensemble, très satisfait des packs. Bah justement, j'avais vraiment envie de jouer un peu avec la Serie A. On va certainement aller jouer un peu avec la Serie A. Je sais pas. On vend ça. Donc je vais vite aussi vous montrer ce que j'ai vendu. Entre-temps, comme d'habitude. Voilà. Des packs. J'ai vendu ça. J'ai vendu vite fait. De toute façon, c'est des consommables la plupart du temps. Il y a quelques petits joueurs. Style Ombre qui est parti à 2500. Eminike, ah ouais, en parlant de Eminike, j'avais fait une boulette, j'avais dit que j'avais Eminike Boost, or c'est faux, j'ai Moussassou, hein. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais Cyril, t'as eu chopé Eminike en doublon, tu peux le prendre en boost, non, si ça marchait, c'est qu'avec Shane Long, et d'ailleurs, le bonus que si je chope Long en doublon, je l'ai enlevé, parce que, bah, il m'intéresse plus, hein. Vous avez vu l'attaque qu'on a en BPL, on a Fabregas en MOC, Rooney en buteur avec Sturridge, donc franchement, même si on a Shane Long, c'est pas très intéressant, donc c'est pour ça que le bonus d'avoir Shane Long en doublon et de l'acheter en boost n'existe plus, hein. Ah, j'ai juste fait une petite erreur, j'avais confondu Moussassou et Minike. Version boost. Donc voilà. On a de bons joueurs, on va les placer certains joueurs. Ah bah lui il est fini de toute façon, donc on va le retirer. Un goal de Bundesliga, c'est Adler, si je dis pas de conneries. Ah non, on a plus. Ah ouais, on a que Zeiler. Non, il n'y avait pas Adler sur mon touche. Ah si, il y avait bien Adler, c'est comme ça. Ouais. Alors on va vite fait placer d'autres joueurs de Bundesliga. Il nous reste Bastian Schweinsteiger en invendable. Ouais, mais où le mettre? Parce que Maxime, j'aimais bien. Hein. Ah bah, ça. Kagewa, j'aime bien. 4-1-2. On va mettre à la place de Maxime. Et Gundogan, on va le laisser sur le banc de touche. Parce quoi? Pourquoi? Parce que bah, je trouve que Kagewa est vraiment très très bon. Gundogan, je vais le tester, je le connais. Mais c'est vrai que je joue très très peu avec Kagewa. Donc, on va voir. Putain, j'ai mal à la gorge. Excusez-moi, on va voir. Voilà, on va voir. Ce qu'on va faire, mais c'est que Kagawa, j'ai envie de jouer avec. Ensuite, on m'a dit, t'as Elia, mais Elia, elle est bien du côté droit, je crois, cette année. Hein. Ouais, il est en milieu droit, donc c'est la page de Blaise Chigoski, donc non, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, on va aller du côté de la Syria, on va placer deux joueurs, je crois. J'en avais un sur le banc de touche, un réserviste à mettre, c'est, bah, il y a déjà le gardien boost. Ah non, on avait que Consigli. Bon, bah, c'est parfait. Non, il y avait bien Danovic aussi, hein, c'est ce qui me semblait. Donc on va mettre Lopez ici, là, et sur le banc de touche. Alors, Hernanes, certainement à la place de Nengolan. Pourquoi? Parce qu'il a 4 étoiles, je préfère, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a Essien, Bienvenu, Gervinho à la place de El-Sharaoui. Il est comment, El-Sharaoui? 3-0, allez, il a rien fait pour le moment. On va tester déjà Gervinho, écoutez. Hein. On peut pas avoir du collectif, on échange. Non. Cette équipe est très intéressante, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure. Donc là, je fais un petit tour de mes équipes, comme chaque début de vote, vous me dites, ouais, Cyril, fait un petit tour. Là, faut juste que je remette Young, il doit être à la fin, voilà, hop, on l'a. Cette équipe est vraiment très très polyvalente, on a de très bons joueurs. Vraiment, on n'a rien à redire sur cette équipe. Hein. On va voir qui c'est qu'on a d'autres joueurs de BPL, au cas où j'ai oublié, Fernando, Terry, Begovic, Ferdinand, bon, c'est pas intéressant. Donc je vous montre un peu mes équipes. Je l'avais pas fait il y a 2-3 épisodes, là on en profite, donc là, la Bundesliga, vous l'avez déjà vu, de toute façon, très très bonne Bundesliga, le seul joueur non rare qu'on a c'est Grosse Creuse, qui nous manquerait un petit pitchek, je pense, défenseur droit, c'est bon. Là par contre, la BBVA, bah, elle avance pas trop, hein, elle avance pas trop. On a un Pedro, mais bon, quand vous avez un Neymar, je suis désolé, vous pouvez pas le mettre. On a Ochoa au cage, pas intéressant, et le reste, bah, pas du tout intéressant. Donc là, la Bundesliga est un peu laissée de côté pour le moment, la Serie A, vous l'avez vu, et la Ligue 1. Alors la Ligue 1 va très très bien, mais c'est vrai qu'on est encore un peu light du côté des joueurs, hein, ça c'est sûr et certain. La Ligue 1, on a un Matuidi qui peut jouer, donc je vais le mettre sur le banc de touche à la place de Kerbrat.
Mais c'est vrai que devant, pour moi, c'est voilà, j'ai pas envie de jouer que de la vitesse, ça m'intéresse pas. Beaucoup de gens me disent, ouais, Cyril, tu te plains des gens qui jouent avec la vitesse. Et toi, t'as Navas, t'as Sturridge et t'avais Young ou tout dans le genre, je crois. Mais c'est pas parce que j'ai des joueurs rapides que j'utilise pour la vitesse. C'est ce que je voulais vous dire en fait. Il y a des joueurs que j'ai qui sont très rapides, mais c'est pas forcément pour utiliser du côté de la vitesse. On a Colat, donc là on peut avoir le collectif, sauf qu'il me faudrait un MC de Super League. Oh ah oui, l'équipe est pas mal. L'équipe est pas mal. Un ailier droit, ah il me manque un ailier droit. Il me manque un ailier droit et après on peut quasiment terminer cette équipe parce que là on peut la terminer du côté de la Ligue 1, regardez. Donc cette équipe peut prendre forme, hein, peut vraiment prendre forme, il nous faut un défenseur français ou auquel on a qui? On a Mandanda au pire, on a Ruffier. Que je réfléchisse, et admettons je mets. Alors déjà on m'a dit de mettre Idrissa Gueye, je pense c'est ce qu'on va faire, voilà. Sauf que Gueye, il nous faudrait un défenseur de Lille, on n'a pas de défenseur de Lille dans cette équipe, ou un défenseur. Ah bah si, on a Sané Villobudji. Ah bah voilà. Donc là, l'équipe est faite, hein. L'équipe est faite quasiment. Il nous manquerait quelques petits joueurs encore de Super League, pas de Turkey League, hein, de Super League. On a voilà. Il nous manquerait, si vous voulez, un ailier droit. Un ailier droit de. Peut-être. Ah, peut-être milieu droit aussi, je regarde. On n'en a pas. Voilà, donc il nous manque juste un milieu droit et tout le monde a le collectif. Bon, après, on pourra s'arranger avec. Comment il s'appelle? Avec le défenseur gauche. Mais c'est vrai que dans l'ensemble. Voilà, regardez. Ah non, il n'y a pas Camerounais. Merde. Ou si je mets un Nkoulou. On regarde vite fait, après on part pour un match et que je mets un petit peu de temps là. Mais ouais, enfin, on verra. De toute façon, cette équipe est pas encore finie. Donc, on va partir pour le premier match de cet épisode, les gars. Certainement deux matchs. Ça dépend comment ça se passe. La forme, ça va bien. Les contrats, ça va bien. Là, une très très bonne défense. Kenny Castan, c'est des joueurs très puissants. Assez rapides dans l'ensemble. Voilà, hein, que dire. Ça fait que quoi? Que 12 minutes que je parle. Bon, ça va, comme d'habitude. Vous avez l'habitude, de toute façon. Que ce genre de vidéo dure aux alentours des de 30 minutes. Ah, je vérifie sur le bon touche qu'on n'a pas mis. Voilà, on va mettre. On sait jamais. Des joueurs de. Voilà. Et Ashley Cole, on sait jamais. Hein. Nous, vous le mettre sur le bon touche. Voilà. Allez, je vais vite fait modifier les numéros parce que je crois que ça me saoule d'avoir des numéros en carton. Du genre, toi, t'as le 7. Toi, t'as le 8. Toi t'as le 11, le 10, toi t'as le. Attends. 6, 11, 19, c'est bon. Toi, on te met le numéro 5. Le 4, et puis voilà donc. Généralement, c'est une équipe que je vais utiliser pas mal de fois parce qu'elle est très polyvalente. Il y a des joueurs bons à tous les postes. Limite, celui qui fait un petit peu tâche dans l'équipe, c'est Basta. Mais il est très très bon, il fait des bonnes performances, donc on va le laisser. On modifie juste les instructions, enfin les rôles des joueurs. Niatalé, coup franc court, Pogba, coup franc long. On va mettre Hernandez. Voilà, donc c'est parti les gars, on va chercher un adversaire. S'il y a des bugs, je le rappelle, quand c'est une déconnexion, ce n'est pas un rage kit de ma part ou d'adversaire. Enfin, peut-être que l'adversaire peut rage kit, ce qui est fort probable. Mais c'est vrai que là, je peux pas faire de match. Enfin, je suis pas sûr de pouvoir trouver un adversaire en fait. Vu que les serveurs IA sont un peu en mousse. Et les Yougoslaves entre un adversaire, à domicile. Ah putain, à domicile, ah, ça se fait. Hein. Ça se trouve, on n'aura aucun problème. Je l'espère vraiment avoir aucun problème. Let's go, les gars, c'est parti. Alors, 82 de notes. Ah, des joueurs argent. Une équipe skill avec Neymar, avec Shifty, Mackay Steven, Armstrong en MC. Une équipe skill, hein, il y a 3 joueurs. Si je dis pas de conneries, il y a que 3 joueurs à 5 étoiles. Le mieux droit, je le connais pas, donc je sais pas. Donc attention au bonus-malus, les gars. Si on se prend début par des joueurs argent, je crois. But encaissé par un joueur argent, ça fait moins impact, je crois. Donc attention, hein. Attention, on se prépare, les gars. On écrit sur la feuille le match 1. Et c'est parti, les gars. Let's go. Allez. Avec Piqué, ouais, il fait même des. Ça voit que le mec, il joue plus pour le fun, à mon avis. Que pour la gagne. Hein. Oh oui, bonne interception. Allez. Faut la prendre là. Tu la remets. Bien joué. Tu la mets à Pogba. Allez, boum, Pogba. Faut casser la cage. Oh, le poteau. Menez. Ah, putain, le poteau. Non, non. Gardien. Oui, Diego Lopez. Relance loin, on va voir ça. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez. Le ballon à Paul. En haut, il y a du monde. Ça va jouer avec Gervais. Gervinho. Bien joué, la petite fin de frappe. Tu reviens en retrait. Hernandez. La fin de frappe. Oh, l'arrêt du gardien. Bien joué, c'est Hernandez.
Ah bah je veux ça. On revient, Guarin. Une petite roulette. Ah dommage. Elle était passée pourtant, elle était passée. Oh bah ça il est bon. Bah ça j'aime bien moi. Oh l'ange. Oh oui. Oh oui. Yes les gars. Yes. Il fait chier. Yes, yes, yes. Alors je sais pas trop si c'est un long shot. En tout cas c'est un but en dehors de la surface. Ouais, c'est. Je sais pas. Ouais, il est quand même assez lointain quand même, hein. C'est un peu le but que j'ai mis à équilibre lors du. Je sais pas. Je. C'est une frappe en dehors de la surface. Après, est-ce que c'est un long shot Ouais, franchement, c'est pas mal. Je sais pas. Je sais pas. On verra un peu plus tard. Faut que je réfléchisse en voyant les ralentis. Mais 2 à 0 en tout cas. Bon, bah, c'est la mi-temps, les gars. C'est la mi-temps. On mène facilement, hein, et puis même logiquement 2 à 0. Un adversaire qui n'a pas tiré, qui s'est même pas créé une occasion. Je crois que le seul tir qu'il a fait, c'était un centre un peu bizarre. Où Lopez a juste chopé le ballon des mains. Donc, dans l'ensemble, ça va. On s'en sort plutôt pas mal. Le long shot de Rennes, je vais le compter comme un long shot. C'est une frappe qui est quand même assez. Enfin, vraiment en retrait par rapport à la surface. Qui arrive en quasiment lucarne. Donc, pour moi, c'est un long shot. Après, chacun son point de vue. Mais pour moi, c'est un long shot. Voilà. Allez, on part, les gars, pour la seconde période. J'étais pas prêt. Non. Putain, j'étais en train de regarder un truc sur les bonus-malus là. Bon, bah voilà, hein, comme ça. 46ème, les gars. On se prend déjà un but par un joueur argent en plus, hein, il me semble. Hein. C'est Shifty. Putain, je serai attentif la prochaine fois. Hein. Allez, voilà. Bon, 3-1. C'est pas un beau but, je l'avoue. On a Carval aussi. Ah, il met la tonnade, bâtard. Oui, relance vite dans les pieds de Paul. Oui, allez, allez. Remets-lui. Voilà, dans l'axe. Encore en haut, oui. Allez, Menez. Oh non. Oh, les buts dégueulasses quand même. Quand même, les buts dégueulasses que je mets, hein. C'est un truc de fou. Ça aurait peut-être une belle action si Menez l'aurait mis. Par contre, je sais pas comment. Il a fait un arrêt bizarre, gardien. Ah ouais, il a pris deux. Ok. Bon, bah, but, hein. Mais il est vraiment dégueulasse, hein. Eh bien, c'est fini, les gars. Victoire 4 buts 1. Donc, très bon match. Après, j'ai fait une boulette. Je sais pas concentré. J'étais en train de regarder un peu les bonus-malus à la reprise de la mi-temps. Je me suis pris un tout droit, un but. Mais bon, dans l'ensemble, on a largement dominé notre adversaire. On va voir ça du côté des statistiques. Mais à la mi-temps, on dominait largement. Alors, pas de doublé, pas de triplé, pas de gros trucs. Non, ok, bon. Donc, on s'est pris un but par un joueur argent. Que je regarde, que je regarde. Ah, 8-9. Putain, pour un point. Ok. Pas décisive. D'accord. Donc, alors, du côté des choses qu'on a. Voilà, regardez la possession, les tirs. Bon, là, on n'a rien à dire. Donc, alors, du côté des bonus qu'on a eu. Alors, victoire super ou égale, ça fait déjà 2 packs, ok. Deux packs. On a mis un but en dehors de la surface. 3 packs. Un long shot. 4 packs. 4 packs. Et puis c'est tout. Voilà. 4 packs. Mais, j'ai bien dit, mais, on s'est pris un but par un joueur argent. Donc moins un pack. Donc on va ouvrir 3 packs, tout simplement. Je rappelle qu'un but en dehors de la surface, ça peut être à ça de la ligne. Un long shot, ça peut être un peu plus loin. Là, on peut combiner les deux, hein, de toute façon. Donc c'est bon. Donc 4 packs moins 1, ça fait 3. Hein. Je crois que c'est ça. Non, je... Et bah, let's go, les gars. On va ouvrir nos 3 packs. Fait chier qu'on s'est pris le but comme ça parce que on a perdu 2 packs à cause du but qu'on s'est pris. Pourquoi? Parce que un but marqué par un joueur argent, c'est moins un pack. Et puis si on prend pas de but, on gagne un pack. Donc dans l'histoire, on a quand même perdu 2 packs à cause d'une erreur de ma faute. C'est pas grave. Allez, on ouvre 3 packs. On garde les crédits. On sait jamais si des fois, un peu plus tard, ils mettent des belles cartes. On verra bien. Let's go, premier pack, Debuchy, on a qui on a un défenseur droit, on a Walker. Pourquoi pas le garder pour une Team France, ça pourra toujours servir. Garcia par contre on s'en fout, Mitroglou on s'en fout aussi. On met ça sur la liste, ça aussi, et le reste on va conserver. Ensuite on ouvre le deuxième pack. Bon, en ce moment on enchaîne pas mal de victoires, hein. Ça fait plaisir. Pelé, ouais bah donnez-moi, ah tiens Ombre, ça se vend bien. 1000 crédits ça se vend bien, tiens je vais changer de logo. J'avais mis une Monaco, enfin je change tout le temps de toute façon. J'ai même pas remarqué que j'avais Monaco, pour vous dire. Ça, on y met sur la liste. Et le reste, Noboa, Zvitanich, non, pas intéressant. On ouvre le dernier pack.
Et après, on partirait pour un deuxième match. Ouh, Quadrado, ça c'est bon ça. Ça c'est très 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 bon, les gars. Hein. 5 étoiles de geste technique. En plus, on avait Menes qui était bien, mais Quadrado, j'aime bien parce qu'il est gaucher. Enfin, il est droit, droitier à droite. Et quand vous avez 5 étoiles, j'aime bien. On a qui Vintra. T'es pas défenseur avant, lui? Enfin, défenseur central. Bon, je sais pas. Peut-être qu'ils voudraient un petit peu Zarate, Elton. Pas intéressant. Par contre, Quadrado, c'est très 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 intéressant ça. Très intéressant. Et puis le reste, on vend. Voilà. Donc, on pourrait repartir avec la Serie A. J'ai envie de, je sais pas, avec qui jouer. Alors, on va vite mettre Quadrado, on va échanger, lui quoi, il est gaucher, lui est gaucher aussi, hein. On va juste échanger, si j'échange les deux, ça fait quoi? Ouais. Je voulais mettre un trade collectif avec, avec Quadrado. Bon, je sais pas, on verra bien, milieu droit, Quadrado, voilà. Donc, une très très bonne équipe de Serie A, hein. Franchement, Pogba, etc., ça c'est du lourd. J'hésite à jouer avec la BPL ou la Bundes. Pff, allez, on va jouer un peu avec la BPL. Il me semble que dans l'épisode précédent, on a fait quelques matchs et ça a tous fait rage quitter. Donc, on va en profiter, écoutez. On va en profiter. On regarde la forme. Qui est fatigué? Bon, même si 93 de forme, c'est pas très gênant. On met juste un contrat à Kurt. À Kurt Zuma. Alors, lui, il est énorme. Hein, franchement, énormissime. Je l'enlèverai peut-être si des fois j'ai un compagnie, un Vertonghen, et encore je suis pas sûr. Hein, parce que franchement, pour une carte argent, il est énorme. Il est énormissime. Quand vous regardez les stats par rapport à Koscielny, à part en défense, bah, sinon il a quand même des super stats pour une carte argent. Quand même, c'est une carte argent, faut le signaler. Voilà, on va modifier les numéros encore, parce que j'en ai ras le cul de jouer avec des numéros de merde. Toi, tu vas jouer avec le 9, toi, tu vas jouer avec le 11. Toi, le 10. Ah, moi, ça me perturbe les numéros de merde. Au moins, je peux repérer les joueurs avec leur numéro. 6 pour Matic. 4, 3, 2. Hop, le 2 pour lui. Et on va mettre le numéro 1. Le 2. Et le 1 pour De Réa. Voilà. C'est parti, les gars. On lance un match, un adversaire. Sans pouvoir le trouver au plus vite. Ah, bah là, on est maintenu, non? On n'a pas de bague pour être maintenu, je crois. Non, non, non. Il me semble bien, il n'y a pas de pack pour être maintenu. Ok, donc c'est pas grave. En tout cas, on mentionne quand même 4 victoires de suite dans cette division. Ce qui est pas mal. Je rappelle que le précédent, on a fait 4 victoires, dont 3 dans cette division. C'est très intéressant. Là, on part bien. Je trouve qu'en ce moment, j'ai un bon niveau de jeu, sans prétention. Mais je trouve que j'ai un bon niveau de jeu, je défends mieux. Il y a des périodes où c'est comme ça, des périodes où tout va et des périodes où rien du tout. Encore à domicile. Putain, on va faire la fête, les gars. Maillot violet rose pour moi. Toi, tu veux que le maillot. Ouh, il est joli ça. Un petit maillot blanc. Les gars, c'est parti. 4-3-3-5, je crois. Je vais canater. 84 de général. Et Iniesta. Ah, bah j'ai oublié. J'ai oublié un pack aussi tout à l'heure. Il avait Iniesta tout à l'heure. Donc je vais me le noter. Plus 1. J'ai oublié. Voilà. Tout à l'heure, on a joué contre un joueur qui avait Iniesta. Et quand un joueur a plus de 88 de général, on a un pack en plus. Si on remporte le match. Donc j'ai oublié. Donc là, faut que j'y repense aussi pour ce match. Allez les gars, c'est parti les gars pour le deuxième match. Let's go. Allez. Bien joué, allez Fabregas. Oh la roulette de Fabregas. Avec Wayne Rooney. Ah mais. Oui, mets lui. Oh elle est belle. Elle est belle pour Young. Faut la prendre Young. Le petit centre, la tête. Oh c'est Wayne Rooney. Oh c'est Wayne Rooney les gars qui va casser la tête. Casser la cage avec sa tête. C'est peut-être mieux. 12ème minute de jeu, 1-0, bon ça reste un centre une tête, hein, mais bon. Mais le départ de l'action est bien, hein. On part de droite, on va à gauche, là c'est un petit centre, même, c'est pas une petite louche, mais ça par le bout du pied, et puis Rooney, alors là il met une grosse tête, yes, 1-0. Il est un peu bas, Sturridge. Oui, pour Wayne, allez Wayne, boum, voilà, 2-0, Wayne Rooney. Un match, franchement, il y a peu d'occasions. Hein. Je crois que je dois être à 3 tirs max et deux buts. Hein. Je crois que c'est ça. Un match très peu mouvementé, mais en tout cas, il y a 2-0. C'est essentiel. Le but, c'est de gagner, les gars. Oh oui! Allez, Wayne! Va mettre ton triplé, Wayne! Oh! Allez! Oh non! Ah, le bâtard! Ouais, mais non. Ça passe pas. Ah, bah, c'est la mi-temps! C'est la mi-temps les gars, écoutez, bah tout se passe bien, hein. Deux buts, on voit qu'on domine largement cette fois-ci, mais 2-0 c'est pas forcément mérité, on aurait pu en mettre plus. Je trouve qu'une action vers la 38ème, Rooney met un petit lob, arrêté un peu bizarrement par le gardien. Bon bah il marque pas là, on aurait pu gagner un pack parce que ça aurait été le triplé de Wayne Rooney, mais en tout cas 2-0 à la mi-temps, on part très confiant, regardez l'adversaire qui ne fait rien du match.
Allez, on part les gars pour la seconde période. Mais genre, fini de faire chier avec les tacles. Et Wayne, boum! Ah mais putain, mais il veut mettre son triplé, j'ai dit. Pour Wayne, allez Wayne, triplé. Ça veut pas. Elle veut pas rentrer. Il évite tous les tacles. Oh oui, Wayne. Oh oui, Wayne. Le triplé de Wayne Rooney, les gars. Yes, c'est bon, ça. Oh, c'est mérité. Ça fait au moins, je crois que sur les... Allez, peut-être sur 10-15 tirs, il en a fait au moins une 80%. C'est lui qui fait tout. Lui qui fait tout, les gars. Finition, Wayne Rooney, 3-0. Victoire, les gars. Yes, ça fait plaisir. En plus... Bah en plus, on peut dire merci Wayne Rooney, hein, le show de Wayne Rooney, les gars. Énormissime triplé, il a tout fait. J'aimerais bien voir ses statistiques du côté des tirs et tirs cadrés, parce qu'il a dû en faire au moins, allez, peut-être 11-12 tirs. Je pense qu'il a fait facile 11-12 tirs à lui tout seul, un triplé. On va aller voir ça. Hein. On va aller voir ça, mais Wayne Rooney, il est énorme. En plus, il a peut-être 9-5 de notes, ce qui est fort probable, donc pas mal de packs. 9-7 de notes. Ouh, deux joueurs à 9 super à 9-5. Fabregas 9-6, Wayne Rooney... 9-7, donc déjà deux packs, je retiens. But, Rooney 3, tir. Voilà, 11 tirs cadrés sur 11 tirs pour Wayne Rooney. Énorme, il est énorme ce mec. Il est énormissime. Et voilà, donc déjà, que je fasse le point des packs. Ah, ça gratte. On a un pack déjà que j'avais oublié tout à l'heure, face à une victoire, face à un joueur à supérieur à 88 de général, qui était Iniesta. Donc Iniesta, déjà un pack pour tout à l'heure. Là, on a affronté Iniesta, il avait 82 de général encore, on a encore battu, donc ça fait un pack en plus. Ensuite, victoire supérieure ou égale à 2. À 3-0, ça fait ça fait 2 packs, hein, tout simplement. 2 packs. Alors, 4 packs pour le moment. Donc, on a fait un épisode avec 2 matchs, 2 victoires. Donc, 1 pack en plus, ça fait 5 packs. 5 packs. But en or, de toute façon, je pense pas. On n'a pas pris de but. 6 packs. Triplé. 1 plus, donc ça fait 7 packs. 2 joueurs, enfin, 1 joueur à 9-5. On en a eu 2. Fabregas et Rooney, ça fait 7 et 2, 9. Donc 9. Je crois que c'est tout. Hein. Voilà. 9 packs, les gars, pour ce match-ci. C'est très intéressant. Ça compte. Oh, mais regardez les statistiques. Hein. Sans prétention, en ce moment, j'explose tout le monde. Je vous le dis, en ce moment, j'explose tout le monde. Même sans compte principal, je gagne tout le temps. Bah écoutez, tant mieux. Hein, on va en profiter. Et on est à l'épisode prochain. 2 matchs, peut-être 2 victoires. Et bah voilà. On se rapprochera du titre. Donc on va ouvrir 9 packs les gars, est-ce qu'ils ont mis des packs spéciaux à 10h, je ne sais pas du tout. Je vais aller voir ça vite fait sur Twitter. J'en profite d'aller voir sur Twitter parce qu'il me semble qu'il y a des packs spéciaux toutes les certaines heures, donc je sais pas. Je sais pas qu'on regarde vite fait le Boxing Day, il y a des packs très intéressants. Il y a des packs à alors 10h, midi. Ouais bah je vais pas attendre midi hein. Je vais être franc avec vous, je vais pas attendre midi. Du coup, on va ouvrir nos 9 packs à des packs avec nos points FIFA. Je vais garder mes crédits pour le prochain épisode. Allez, un pack, les gars, let's go. Kanko. Ah bah, on a Basta, c'est cool. Stroutman, par contre, ne m'intéresse pas. Par contre, Kanko, c'est très intéressant. On avait Basta en défenseur droit. Pas intéressant. Ça, ça vend, puis le reste, on conserve. Voilà, donc premier pack, très intéressant. C'est-à-dire que les points FIFA diminuent vite. Hein. Il y a quoi? Il y a que 2 épisodes, j'étais à 12 000 points FIFA. Hein. Allez, deuxième pack. Zarate, Delph, pas intéressant. Ça, ça peut se vendre. Ça, un goal, un entraîneur, on sait jamais. Ça, on conserve. Ça, ça peut se vendre. Valdès, Lorient. Bon, dans l'ensemble, ça va. Faut bien que je joue avec mes points FIFA, pas avec mes crédits. Je les garderai pour le prochain épisode. Faut aussi que je fasse encore un peu ménage dans le club, comme d'habitude. Troisième pack. Nyom, Nastasic, Herrera. Aucun joueur intéressant. Ça, ça se vend un petit peu. Voilà. Et le reste, on vend. Donc, un très très bon épisode encore une nouvelle fois. Si on peut s'approcher des 2500 likes, je pense qu'il y a moyen. Hein. 2 victoires, 2 très beaux matchs, un boost, un Schweinsteiger. Écoutez. Hein. Quatrième pack, les gars, on chope. Bedimo que j'ai en doublon. Bah, écoutez, lui, on ira le vendre. Voilà. Après, quel bon, ça c'est pas intéressant. Attention aussi à des joueurs de Super League. On sait jamais. Hein. Cinquième pack les gars, let's go. J'ote en même temps pour être sûr de pas rater et on chope Hamoud. Peut-être qu'il se voit un petit peu, je sais pas.
D'accord. D'accord, ça, ça se vend, ça, ça se vend, Sentinelle. Pff. Écoutez, les sticks, j'en mets pas du tout sur son tien, mais pas du tout. On ouvre le sixième pack. Allez, 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 un petit boost. Non, en doublon, Rukavina, Pidgey, Antenucci. Connais pas. Connais pas du tout, ça en conserve juste. Voilà, donc dans le sens, vraiment satisfait de cette série, elle vous plaît, l'épisode 20, les gars, épisode 20. Je pense qu'il reste une bonne vingtaine. Je pense qu'une bonne vingtaine facile d'épisodes. Hein. Donc on a encore le temps, les gars, on a encore le temps. Septième pack, on ne skippe pas. Tiens, j'ai vraiment pas envie de skipper. Au black. Glouchakov, il joue Léon Dien Russe, pas intéressant. Oula Han, pas intéressant. On vend. Huitième pack, allez, encore deux packs. Celui-ci et le prochain. Let's go, let's go, let's go. Eden Hazard, Stekelenburg, Gibson. Cabaret, pas du tout intéressant. Le logo de Paris, on s'en fout. Voilà. Et on va ouvrir notre dernier pack. C'est parti, les gars. Donc, on aura 30 000 crédits plus les joueurs que je vais vendre. On aura pas mal et on termine sur du Gibson, t'es sérieux? Roy. Ok. Ça, ça se vend. Puis le reste. On vend. Voilà. Donc, les gars, j'espère que ça vous aura plu. C'est quand même déjà une heure et une minute que je tourne. Donc, tout se passe bien. J'aurai des petits trucs à vendre. Hein. Vous pouvez voir, regardez du côté. Ah, les trucs ont bugué, d'accord. Donc, quand vous voyez ça expirer, vous inquiétez pas. Hein, ça va débloquer. Ça va mettre du temps. Hein. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, une heure. C'est hier. Hein, faut qu'il y ait des blocs. Donc, on a quand même quelques petits trucs à vendre dans l'ensemble. Des petits joueurs qui risquent de partir. Andanovic, Alaba. Ah, Alaba qui peut bien pas partir. On va regarder son prix. C'est 10 000 crédits à peu près. Hein. Ouais, à peu près. Donc, il devrait bien partir. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, je rappelle que tous les 300 likes vous m'offrez un pack, et je pense qu'il y a moyen qu'on arrive aux alentours des 2500 likes, je rappelle qu'on a eu Schweinsteiger, on a eu, comment il s'appelle, Diego Lopez If, on a fait deux très beaux matchs, deux victoires, des triplés, le show de Wayne Rooney, tout simplement, donc les gars je vous dis merci à tous, c'était Cyril et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, allez, bye bye.